Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Magnussen pour la suite de votre carrière FDJ. On continue notre carrière, ben aujourd'hui on va faire des gros épisodes avec non, j'ai juste une étape, hein. Désolé, ça sera Paris-Roubaix, classique, l'enfer du Nord aujourd'hui. Ben, il n'y a plus rien à dire, après ça sera, oui après je pourrais mettre à jour. Après, ouais, ça, je ferai ça en off tout seul. On fera Amstel Gold Race ensuite. Ça sera donc, on se dirige petit à petit vers le premier grand tour de la saison, qui sera le Giro. Allez, je montre. Hein. Je suis en train de travailler sur la mise en place de voilà, le planning de coureur pour le mois d'avril. Ensuite, il y aura le mois de mai également, le Giro. Voilà ce qui, les personnes qui vont faire le Giro. Il y a Marc Sarro pour le sprint, Vaugrenard, Masson, Konovalovas, Ofredo, Bonnet, Croix, Alexandre Geniez. Toujours malade, Alexandre Geniez. Et Arthur Vichot qui sera là aussi pour jouer peut-être les étapes, les victoires d'étape et épauler Alexandre Geniez. J'ai aussi réservé déjà un stage de reconnaissance pour eux. Il y a un stage de montagne pour ceux qui feront, ben, ceux qui vont entourer Alexandre Geniez au niveau de Giro. Et un stage de Valant aussi pour Geniez, hein, pour qu'il soit vraiment affûté. Sarro aussi pour passer les boss. Et un stage de reconnaissance, franchement, des étapes clés de ces Giro-là. Donc pour ça, on prépare progressivement. Hein. Donc Arthur Vichot, il a son stage également pour se mettre, enfin pour avoir, pour augmenter un peu ses notes en Valant, pour enfin ses objectifs, les classiques ardennaises qui vont commencer. Donc là, l'enfer du Nord aujourd'hui. Avec voilà les coureurs qui vont être là. Johan Ofredo qui descend aussi. Là, 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 il a plus la forme qu'il avait avant. Voilà. Johan Ofredo, Vaugrenard, mais je suis vraiment désolé, je suis passé à côté complètement de ces classiques flandriennes. Mais voilà. Allez. Les favoris, bah, on va retrouver les mêmes. Hein. Christophe, John Degenkolb, les Cancellara, les Sepp Van Marck. Et on se dit, ouais, on va faire ça, et ben on va se retrouver alors tout de suite pour, enfin on se retrouve vers les derniers secteurs pavés de cet enfer du Nord. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, 60 km, 50 coureurs sur cette, ben, l'enfer du Nord. On attaque maintenant les secteurs pavés qui vont s'enchaîner, et on a vu les intentions de la formation Trek Factory. Trek Segafredo de Fabian Cancellara qui durcissent la course. Les coéquipiers des Cancellara et de John Degenkolb sont là en train de faire très très mal dans ces pelotons. Ça réduit hein, 34 coureurs. Déjà on était à 50 tout à l'heure. Et là on se retrouve déjà à 34 coureurs. Alors que Arnaud Démare, qui est notre leader, et se retrouve toujours mal positionné à l'arrière, et celui-là aussi qui est censé le protéger, mais il se retrouve toujours derrière Arnaud Démare. Je sais pas comment ça se fait. Il faut y aller devant maintenant. Allez, un autre secteur pavé très long, 2 km ce secteur pavé, et ce sont les Trek Segafredo qui étirent encore. Vous voyez, ça fait mal. Ah là là, il a explosé hein. C'est quelle dame, elle est Devolder qui accélère maintenant. Ça suit, hein, Fabian Cancellara qui est bien positionné. John Degenkolb aussi, toujours, en fait, ils sont là. Les leaders, les favoris. Mais, attendez, il y a un truc que je comprends pas. Mais, toi, tu dois protéger Démare. Comment ça se fait que tu es toujours derrière? Mais passe devant. C'est une blague. Allez, encore un autre secteur pavé qui va s'enchaîner. Là, on va enchaîner les secteurs pavés. Allez, c'est parti, encore un autre secteur pavé. Très long maintenant, 3 km ce secteur pavé. Ofredo qui s'accroche, vous savez dit, on doit faire un top 5.
Allez, il explose ici, why not? Et c'est deux backers maintenant, le coéquipier de John Degenkolb qui accélère le rythme. Alors que Arnaud démarre à l'arrière, a du mal à s'accrocher. C'est très dur pour Arnaud. Allez Arnaud, tu dois pas lâcher. Allez, il est distancé, il démarre. Vous savez, il est pas du tout en forme, Arnaud démarre, pas du tout, mais pas du tout. Et celui-là, on a mis pour le protéger, mais il se retrouve toujours à l'arrière en fait. Allez, ça attaque! Attaque de Sepp Van Marck, John Degenkolb et Fabian Cancellara. Et ils ont essayé de surprendre tout le monde là. Ah, ils sont en jambes, à 42 km d'arrivée. Déjà attaqué comme ça. On va un petit peu essayer de souffler parce que les secteurs pavés vont s'enchaîner maintenant. Ça va s'enchaîner. Ah, il a du mal, hein, Arnaud Démarre, pour réintégrer ce groupe-ci. Il est en train de faire des frais là, distancé. Il a du mal, Arnaud, à revenir dans ce groupe, dans ce peloton de 20 coureurs, un autre secteur pavé. Emmené toujours par John Degenkolb, maintenant en personne, le vainqueur du Tour de Flandre. Il imprime un petit impôt là, John Degenkolb, il se relève. Et démarre, qui vient aussi intégrer, qui est revenu, mais je pense qu'il va protéger. Offredo a distancé encore Arnaud. Oula, Offredo aussi. Ah là, désolé. Offredo aussi a été distancé. Ah, ils ont attaqué tout de suite. Ça attaque avec Lars Boom et John Degenkolb encore une fois de plus. Qui attaque toujours celui-là. Il est en jambes, hein, John Degenkolb. Allez, Offredo ne va plus du tout réintégrer ce groupe-là. Ça va être très très compliqué maintenant pour Johan Offredo de revenir. Allez, un petit moment d'inattention. John Degenkolb encore qui répare. Lui, il a les feux dans le jambes. L'allemand John Degenkolb. Allez, rejoint par Alexander Christophe, son dauphin. Au niveau de Tour de Flandre, alors que ici, ça va être dur, hein, ça va être très très dur pour Johan Offredo, alors qu'il était dans le bon groupe. Alors on va encore passer à côté de ce très bon Paris-Roubaix. Allez, ça se relève. Et ils ont une minute d'avance sur Johan Offredo. Ça relève. Hein. Allez, une autre accélération. Maintenant ici, d'Alexander Christophe, John Degenkolb qui va tout de suite, qui recolle tout de suite dans sa roue. Ah, bah ceux qui sont ici sont vraiment costauds. Allez, il accélère. John Degenkolb qui accélère encore. Allez, Sepp Van Marck maintenant qui prend la chasse ici devant dans les secteurs pavés. Voilà, il réattaque. Il réattaque encore un autre secteur pavé. Ouh là là, John Degenkolb, Alexander Christophe qui prend son avance. Maintenant, il est parti. Il est parti, Alexander Christophe. On va plus du tout le revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bah, ben, Alexander Christophe a été rejoint par Sepp Van Marck. Et Fabian Cancellara. Allez, ils ont reconstitué le groupe à 6. Et derrière aussi, ça est en train de revenir ici avec Nicky Terpstra, Tom Boonen, Zenek Stibar, les Ethics Quickstep qui recollent ici. Allez, Lars Boom qui relève un petit peu, qui se relève. Allez, là, Sepp Van Marck qui accélère encore une fois de plus. Accélération du Belge Sepp Van Marck avec ses secteurs pavés, il attaque. Attaque tout de suite de Sepp Van Marck et Alexander Christophe qui recolle dans sa roue. Voilà, le carrefour de l'arbre. C'est ici. Ici, ils ont 30 secondes d'avance. Je pense que Alexander Christophe est le plus fort derrière. John Degenkolb qui a longtemps attaqué, essayé de faire l'effort. Mais il s'est retrouvé piégé derrière aussi. Allez, Sepp Van Marck qui continue. Alexander Christophe qui passe maintenant le relais. C'est deux plus forts. Alexander Christophe qui va... Allez, je pense que Christophe en a encore sous la pédale. Attention, ils ont 17 secondes sur ce groupe-là. Ce groupe ici peut pouvoir revenir aussi. Ils peuvent revenir. John Degenkolb qui est encore là. 16 secondes d'avance, mais ils doivent pas vraiment se regarder. Sinon, voilà. Donc je pense qu'ils vont quand même revenir sur Sepp Van Marck. Voilà. Allez, ils sont revenus. Allez, c'est Janek Stibar. Et Jan Stannard plutôt qui travaille pour son coéquipier. Ça se relève ici. Ce qui va permettre aux autres de pouvoir revenir. Attaque. Attaque une fois de plus de Sepp Van Marck. Alexander Christophe qui contre tout de suite. Nicky Terpstra. Nicky Terpstra qui contre maintenant. Il est parti. Nicky Terpstra. Jorgen Roeland. Sepp Van Marck. Et Alexander Christophe. Ah mais moi je mettrai une pièce sur Alexander Christophe. Voilà. Ils n'ont pas réussi à ces
à faire vraiment la différence. Et là, je pense que ça va se jouer au plus rapide. Hein. John Degenkolb est là. Mais je mettrai une pièce sur Alexander Kristoff. Alors que Johan Ofredo, ici, c'est fini. Hein. C'en est fini aussi pour Johan Ofredo déjà. Attaque. Niki Terpstra qui tente, mais non. C'est des petites attaques à 8 km. Non, c'était pas du tout une attaque. Voilà, ils sont maintenant dans le vélodrome. À 8 coureurs. 8 coureurs pour ce Paris-Roubaix. Jorgen Hulland, Niki Terpstra, Alexander Kristoff, John Degenkolb, Lars Boom, Fabian Cancellara et Sepp Van Mark. Moi je mettrai une pièce sur Alexander Kristoff. Il m'avait l'air beaucoup plus fort que tous là. On attend. Attendez, on va pas du tout avoir une bonne vue là. Ah non, on remet la vue normale. Hein. Attendez, j'arrive pas du tout à retrouver. Bon, on est dans le carrefour. On est ils sont à 13 allées, le sprint qui est lancé à 700 mètres. Voilà. Oh non, c'est Jorgen Hulland. Et non, Greg Van Avermaet. Oh, le champion olympique qui s'impose. Greg Van Avermaet devant un autre Belge, Jorgen Hulland. Alexander Kristoff qui s'est fait complètement avoir, littéralement avoir. Et il passe complètement à côté de son Paris-Roubaix alors qu'il avait fait le plus dur. Et Alexander Kristoff, voilà, c'est fini. On se dit à très vite les amis pour la suite de votre carrière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Portez-vous bien. Ciao.